Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons donc aujourd'hui avec tous nos frères par le monde l'ascension du Seigneur, le point d'orgue du temps pascal, de la communion dans la résurrection du Christ. Et nous sommes là au début du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Et il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'esprit que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Mais Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et ils ne lui aient le soustraire à leurs yeux. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Début du livre des Actes, l'auteur prend soin de retracer le parcours, de bien insister que justement Jésus ressuscité a partagé ces 40 jours avec les apôtres, qu'il leur a donné bien des preuves qu'il était vivant, et les rassemble donc au cours d'un repas avec eux à Jérusalem dans l'attente de la promesse faite au Père, le don fait par le Père, du don de l'Esprit. Mais on voit bien que la foi des apôtres est encore bien fragile, là, malgré les instructions de Jésus, puisque au cours de ce dernier repas, ils l'interrogèrent, « Seigneur, est-ce maintenant le temps que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» C'est pas tout à fait le sujet. Et Jésus leur répond à la question, et puis il ne vous appartient pas d'en connaître les temps et les moments. Vous allez recevoir une force, l'Esprit Saint, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Le cadre est fixé au début du livre des Actes des Apôtres, donc de la mission confiée aux apôtres par Jésus, être ses témoins à Jérusalem, certes, mais dans toute la Judée et la Samarie. Donc que faire des querelles religieuses? Non, la bonne nouvelle, elle est pour tous, et jusqu'aux extrémités de la terre, pour toute l'humanité. Devant ces paroles, nous dit le livre de l'auteur des Actes, les apôtres le regardaient et s'éleva une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Les apôtres sont surpris de cette réponse de Jésus, de la mission qu'il leur a confiée, et Jésus est soustrait à leur regard. Et ce départ de Jésus, il ne s'agit pas de rester là, à regarder vers le ciel, en attendant qu'il se passe quelque chose, peut-être que c'est... Non, il faut tout de suite, tout de suite repartir, se remettre en ordre de mission. Ces deux hommes qui apparaissent après Jésus en vêtements blancs, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est maintenant à vous de jouer, la mission qui vous a été confiée, il s'agit maintenant de la vivre. Ce Jésus que vous avez vu
être enlevé d'auprès de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Donc désormais, les apôtres de la communauté chrétienne disent « Attends, attends le retour de Jésus. » Alors, la première génération chrétienne, sans doute, l'a-t-elle attendu de manière relativement immédiate. Depuis 20 siècles, c'est le temps de l'attente du retour du Christ dans sa gloire. C'est ce que nous disons à la chaque Eucharistie. Nous attendons ton retour, le retour de Jésus dans sa gloire. Parce que cette gloire que Jésus manifeste dans ce jour de l'Ascension, comme le dit Paul dans la deuxième lecture, c'est cette gloire, eh ben, elle nous a été donnée en communion, dans la communion avec le Christ, corps, tête de son corps, eh bien, nous autres membres de son Église, eh ben, nous partageons cette puissance de vie, cette force qui se déploie en la résurrection de Jésus, corps et âme, dans toute son humanité qui rejoint l'éternité. Eh bien, nous, d'autres membres de la communauté, de l'Église, eh bien, nous sommes avec lui, déjà en prémisse, dans la gloire du Père. Et la liturgie de la parole de ce dimanche se termine par la finale de l'évangile de saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux, leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Résumé de la vie de la communauté chrétienne, de la vie de l'Église depuis 21 siècles. Allez, de toutes les nations faites des disciples, l'impératif de la mission, du témoignage rendu à la bonne nouvelle de la résurrection. La mort est vaincue, le Christ est ressuscité et l'humanité est invitée, appelée à entrer à son tour dans cette résurrection, dans cette résurrection pour la vie éternelle, dans cette résurrection qui nous arrache à tous nos enfermements, à toutes nos morts intérieures. Oui, le Christ est ressuscité, et l'humanité est invitée à ressusciter elle aussi avec lui dans la communion éternelle. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites-leur partager ce trésor de la vie d'enfant de Dieu. Apprenez-leur, deuxième mission, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Avec la vie d'enfant de Dieu, encore faut-il la vivre, encore faut-il effectivement témoigner par l'enseignement, la lecture de la parole, la méditation. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Comme Jésus lui-même l'a fait pour les disciples d'Emmaüs, leur ouvert l'esprit à l'intelligence des Écritures. Mais ça ne s'arrête pas là. Troisième point, la promesse de Jésus. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans cette mission de l'Église, dans cette mission du témoignage à la résurrection du Christ et à l'appel à la communion éternelle. Jésus nous le promet, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, c'est-à-dire Jésus ressuscité dans la force de vie de la résurrection, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors dans les vicissitudes que peuvent prendre nos vies personnelles et collectives, nous oublions parfois que nous avons cette promesse du Christ. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en ces temps où nous réapprenons progressivement à renouer les liens de la communauté,